Eh bien bonjour à tous les amis, je suis Pop-Up, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Star Wars Squadron, avec la 13e mission aujourd'hui, Cœur en Feu. La Nouvelle République est encerclée près de Galitan. Le Starhawk est endommagé est en vue, défendu par l'escadron Anvil et le traître Lyndon James. Terminez votre mission, éliminez le Starhawk et Lyndon James, a priori on repasse côté Empire. Quand j'étais policier sur Parkella, je passais des semaines à faire de la paperasse pour arrêter un trafiquant ou un gang d'esclavagistes. Des gens évidemment coupables. Je me suis engagé avec l'Empire car il m'a donné le pouvoir de faire le nécessaire. Faire appliquer la justice dans la galaxie. Piloter un TIE est plus dangereux que de traquer les escrocs. Chaque fois que je sors de ce hangar, je sais que je pourrais ne pas revenir. Mais je suis toujours revenu. J'en ai marre des arguments sur la moralité impériale. J'ai entendu des pilotes remettre en question notre empire. Ils se demandent si nos méthodes sont justes, mais ils oublient toujours quelque chose. Le fait est que nous avons le pouvoir. Donc, nous avons déterminé ce qui est juste. Une fois là-bas, vous déciderez qui doit vivre et qui doit mourir. Vous avez gagné ce pouvoir. On y va. La capitaine attend. On a réussi. L'escadron Vanguard est coincé. Lyndon James a commis sa dernière erreur. Nous avons la confirmation que Lyndon a rejoint la mêlée. Ce n'est pas tout. Il dirige le même escadron rebelle que celui que nous avons décimé sur Mon Cala. C'est un mouvement calculé. Lyndon veut me faire commettre une imprudence. Il croit me connaître. Mais il a tort. Nous ne mordrons pas à l'hameçon. L'escadron Titan se concentrera sur notre seule vraie cible, le Starhawk. L'amiral Sloan compte sur nous. J'aimerais pouvoir m'occuper personnellement de Lyndon. Mais l'arme d'un commandant, c'est son escadron. Et non pas un chasseur. Allez, terminez votre mission. Et si jamais vous voyez Lyndon, débarrassez-vous de lui une bonne fois pour toutes. On y est, escadron Titan. La victoire est proche. Le Tempérance s'est détaché de la flotte rebelle, mais peu importe. Notre cible, c'est le Starhawk. Et grâce au renfort de l'amiral Sloan, nous l'avons encerclé. Le Starhawk a subi des dégâts critiques avec notre assaut au Baradium. Et il ne peut pas être réparé. Si je ne me trompe pas, une frappe précise au cœur du rayon tracteur du vaisseau devrait le transformer en bombe à retardement volante. Atteindre le Starhawk ne sera pas facile. Les rebelles ont réussi à appeler leur renfort. L'escadron Anvil, pour être précis. Lyndon James gère personnellement la stratégie de l'escadron Anvil. Anvil a subi de grosses pertes sur Mon Cala, mais ils ont toujours des chasseurs et de la rancœur. Détruisez-les. Ils déploient également une frégate Nébulon B. Nous avons un raider pour vous assister. Une fois le Starhawk atteint, vous devez percer son armure pour l'attaquer en plein cœur. Les scans indiquent qu'un missile non explosé au Baradium se trouve quelque part dans la coque du Starhawk. Exploitez cette faille. Une fois la coque perforée, un chasseur pourra pénétrer dans le Starhawk et attaquer le cœur de son rayon tracteur. Nous ne savons pas à quoi nous attendre à l'intérieur. Faites votre devoir. Et générez une surcharge du cœur, puis revenez sur l'Overseer à temps. Notre travail et notre sacrifice nous ont permis d'arriver à ça, Titan. Ne laissez pas Lyndon James vous arrêter maintenant. Capitaine, j'aurais tort de ne pas vous signaler que nos chances de réussite sont bien plus faibles que d'habitude.
Vous dites que l'escadron Titan ne fait pas le poids face à une flotte rebelle décomposée? Oh. Non, pas du tout. Votre bilan est très impressionnant. C'est juste que ces rebelles sont désespérés. Ça les rend particulièrement dangereux. Bien vu, LT-514. J'espère que vous garderez ça à l'esprit. J'ai accepté cette affectation pour voir comment les tactiques d'escadron fonctionnaient en réalité sur le terrain. Et j'ai découvert que j'en savais très peu. Mais maintenant, j'ai assez de matière pour envoyer une banque de données de renseignements complète sur l'escadron Titan, et sur vous en particulier. Vous voir chasser les rebelles a été très instructif. Et amusant. Merci. Ce fut un honneur de pouvoir observer. Vous avez su vous rendre indispensable. L'escadron Titan n'aurait pas été le même sans vous. Vous avez répondu sans hésitation à mon appel. Je n'oublierai jamais ça. La bataille attend. Ne me décevez pas. Ça ressemblerait presque à des adieux, ça. C'est fini. La destruction du Starhawk fait de nous des héros. Et les héros ont de l'influence. Une personne intelligente pourrait utiliser cette influence. Devenir assistant de l'amiral Sloane, peut-être. Une fois au cœur du pouvoir impérial, on peut le diriger. Et alors, plus rien n'est impossible. Même les bases d'un nouveau Sénat. Tout ce qu'on doit faire, c'est gagner. Oh, ne vous inquiétez pas. Je sais pertinemment ce qu'on doit faire. Mais il s'agit de bien plus que de finir une guerre. Un vrai futur pour l'Empire, au-delà des étoiles de la mort et des rebelles, est à notre portée. C'est pour ça que je me bats. Peu importe pourquoi vous vous battez, souvenez-vous-en aujourd'hui. L'escadron Anvil ne change rien. Une fois le Starhawk éliminé, nous aurons fait un pas de plus vers la fin de cette guerre. Mais la fin de la guerre ne signifie pas la fin de notre devoir, pas vrai? La capitaine Kerrill appréciera la destruction du Starhawk. Mais ce n'est qu'un vaisseau. Les ennemis de l'Empire existent dans toute la galaxie. Je m'en occuperai personnellement s'il le faut. C'est ma conception de la retraite. Finissons-en. La guerre continue. Elle ne s'est pas arrêtée sur Endor. Elle ne finira pas avec le Starhawk. Ce qui est détruit renaît de ses cendres. Je l'ai vécu. Ils ont besoin de soldats, de pilotes. Ils en ont eu besoin. Ils en auront besoin. Rebelles ou républiques, nous connaissons notre devoir. Que cela vous serve d'inspiration. Vous voulez, je vous suis. Ok, bon allez. Personne, on embarque. Voilà, on y est. Le capitaine a besoin de vous dans un chasseur, bombardier ou intercepteur TIE au choix. Je pense que je vais prendre l'intercepteur, j'aime bien. Que bombardier, ça peut être intéressant d'avoir le bombardier. En fait, je sais pas trop. Système de réparation. Ok, on va partir avec le TIE Fighter. Avec le chasseur. Allez. L'escadron Titan est prêt. À vos ordres, capitaine.
Je n'en attendais pas moins de vous. Le Starhawk est juste devant. Mais il va vous falloir traverser la flotte de la République pour l'atteindre. Overseer au Raider impérial. Aidez Titan à forcer les formations de la République. Bien reçu. Je me mets en position. Attention, chasseur en approche. Titan, détruisez immédiatement ces chasseurs. Alvin leader, Titan. Vous auriez dû finir le travail sur votre cas-là. C'est gentil d'être revenu. Et si vous me cherchez, Terissa, je serai là-bas avec le reste de la ville, en train d'éliminer ce destroyer stellaire. Dommage que vous ne veniez pas m'affronter. Vous osez nous parler de honte, sale traître. Titan est mon arme. Prête à infliger la vengeance de l'Empire. Mince. Bien, Anvil Lidl, revenez-nous quand vous aurez fini erreurs de touche comme ça. Anvil disparaît maintenant. Débarrassez-moi de ces chasseurs. Admirable. Voilà. Hop, là, il est au wing suivant. Alors, next. Elle m'a redonné des missiles, très bien. Wow, c'était quoi ce mouvement? Je suis touché. Voilà, retournez au combat. Attention, derrière. Vous l'avez dit, Titan, vous payeriez pour votre attaque sur Mankala. Votre empire finira par s'effondrer, mais vous serez plus là pour le voir. Il reste encore 3. Détruisez cette cible. Il reste encore un. Relance la prochaine fois. Voilà. Tous les chasseurs sont détruits. Parfait.
Je viens en soutien à l'escadron Titan. L'arrogance des pilotes de la République. Pris au piège, ils refusent d'admettre leur défaite. Ils disent que nous sommes faibles, alors que la puissance de notre empire les balaie. Votre cible principale est la frégate ennemie. Je suis en position. Endommagé. D'accord, il y a l'overseer qui est là. Ils ont tiré un missile. Cette frégate nous gêne. Allez, on a fait sauter le bouclier déjà. Navigation là. Feu à volonté sur la frégate. Oh oh, ouais, je suis arrivé un petit peu vite dessus là. J'ai une erreur de pilotage, pardon. C'était de ma faute. Hop, c'est pas grave. On va prendre un autre chasseur. On est reparti. Là. Frégate ennemie abattue. La voie est libre jusqu'au Starhawk. Ok. J'espérais que vous diriez ça.
Détruisez cette cible. Ok, on va les faire une par une. Allez, une de faite. La frégate ennemie est détruite. Bon sang. Attaquez ma marque. On est en train de vaincre cette corvette ennemie. Tirez avec précision. Je me fais arroser. Vérifiez vos cibles. Me voilà. Corvette détruite. Voilà pour la troisième. Finissons-en. Capitaine Kerrill, ici Titan Leader. La plupart de leurs vaisseaux amiraux sont détruits. Les effectifs ne font pas tout. Une victoire dépend de la stratégie et de la rage de vaincre. Les deux corvettes sont détruites. Dire qu'ils espéraient qu'on se rende. On a perdu nos vaisseaux amiraux. Anvil, revenez sur ma position et regroupez-vous. 5 sur 5. Ok, on continue vers le Starhawk. Allez, on va essayer d'atteindre le cœur du Starhawk du coup. Continuez.
N'hésitez pas à utiliser vos turbos si nécessaire. Titan 3, doucement. Je détecte des anomalies gravitationnelles dans ce cœur. Elle fait peur du coup avec son doucement. Allez. Près des émetteurs du cœur. Ce sont vos cibles. N'approchez pas du centre. Je vois une surtension dans le cœur. Continuez. La moitié des émetteurs sont à HS. Wow. L'entrée. Elle est là. Ok. Décharge imminente. Pilotez avec prudence. Les fluctuations de gravité peuvent vous éjecter de la trajectoire. Ok. Titan 3, préparez-vous. Ah, raté. Ok. On va recommencer. Ah ouais, mais c'est que le début. Je ne vous insulterai pas en vous proposant de vous rendre, Lyndon. Terissa, je vous ai sous-estimé. Pas seulement votre talent, mais aussi votre consentement à faire le jeu d'un empire. Il n'hésitera pas à vous détruire. Vous ne m'avez jamais cerné. Qu'on en finisse. Thank you.
tourne vers son Starhawk. Quand ce sera fini, observez l'Empire que vous servez. Et demandez-vous pourquoi. Trahir votre peuple pour des principes ne vous rend pas plus noble qu'un autre, Lyndon. Peut-être pas dans vos yeux, mais dans les yeux de ceux que j'ai sauvés. Son bouclier ne peut plus se régénérer. Il est vulnérable. Très bien, ça suffit. Ma réparation, pas de bouclier. Comme mon premier PIE, on va voir ce que vous avez dans le ventre. Finissez-en, Titan 3. Vite. Si vous étiez parti à part vos stars, Teresa, pensez à ce que vous auriez pu accomplir. Eh bien, voilà votre héritage, Lyndon. Des épaves fumantes sur un monde en ruine. J'ai touché pas mal là pourtant. Mais il est à 67 de vie. Ah, on est sur le 26, c'était une bonne passe là. Voilà. C'est fait. Merci, Titan 3. Ainsi périssent tous les traîtres. Flotte impériale, préparez le repli. Ils refusent, capitaine. Ils veulent éliminer la flotte rebelle. Notre mission est terminée. Passons en vitesse lumière et laissons leur Starhawk brûler. Escadron Titan, grâce au soutien indéfectible de l'amiral Sloan, le projet Starhawk n'est plus qu'un tas de ruines. L'escadron Vanguard est condamné. Les idéaux impériaux ont vaincu. Fidélité, devoir, discipline. Et avec notre nouvelle recrue, nous pourrions atteindre des sommets encore plus hauts. La recrue Titan 3 a été promue, avec tous les honneurs. Bien joué. Votre futur avec l'Empire s'annonce brillant. Je suis fier que la mort de Lyndon James envoie un message à tous ceux qui voudraient nous trahir. Qu'ils sachent que partout où les ennemis de l'Empire veulent se soulever, Titan les attendra. Qu'importe le coup. Cette guerre est une épreuve pour nous, dont nous sortirons triomphants, et nous mettrons cette nouvelle République à genoux. Alors, est-ce qu'on serait pas sur la fin de la campagne côté Empire ? Peut-être. En tout cas, la mission est réussie, Lyndon James n'est plus, et la nouvelle d'un Starhawk en flamme a intimidé une douzaine de systèmes rebelles. La rumeur dit que l'amiral Sloan veut récompenser l'escadron Titan avec une nouvelle mission dans des régions inconnues. Ok. Très bien, on verra ça la prochaine fois. J'espère en tout cas que cet épisode sur Star Wars Squadron vous aura plu. On se retrouve prochainement pour la suite de l'aventure. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.